Quand vous vendez une propriété par l'entremise d'un courtier immobilier, sa commission est généralement au Québec entre 4 et 6 %. Mais est-ce que les commissions pourraient être revues à la baisse, peut-être jusqu'à 1 %? Francis Gosselin est avec nous, il est économiste. Bon après-midi. Bon après-midi. La question se pose parce que dans bien des pays, les agents perçoivent beaucoup moins que 6 % de commissions, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas, notamment en Norvège, où la commission moyenne est autour de 1,3, 1,4 %. Donc, c'est vraiment une toute petite fraction du prix de vente de la propriété. Et puis, évidemment, dans un contexte comme on vit actuellement, où les logements sont de plus en plus chers à l'achat et à la location, on peut imaginer que si on faisait une ponction moindre sur le marché de l'immobilier, c'est-à-dire si la tarification du courtage était abaissée, bien, ça pourrait permettre de faire baisser un petit peu également le prix des propriétés. Et il y a aussi une poursuite aux États-Unis contre l'Association nationale des courtiers. Est-ce que ce sont les commissions qui sont en cause ici? Oui, effectivement. C'est une poursuite qui s'est résolue là, hors cours il y a quelques semaines à peine. Ça m'a incité donc à écrire un article dans le Journal de Montréal qui est paru ce matin. En fait, ce sont 5 citoyens, là, vraiment comme vous et moi, là, qui ont décidé de poursuivre l'Association nationale des courtiers et qui ont eu gain de cause finalement via un arrangement hors cours. Il y a une pénalité de près de 500 millions de dollars qui va être payée par l'association. Et ce sont essentiellement la fixation là, des rétributions qui est en cause. Aux États-Unis, la norme est à 6 %. Ces citoyens-là croyaient que c'était obligatoire, alors que dans les faits, au Québec, comme aux États-Unis, c'est négociable et c'est ce qu'alléguaient les 5 poursuivants. Donc, est-ce que ça risque d'avoir un impact au Québec? Est-ce que les courtiers pourraient devoir baisser leur commission? Bien, je pense que la première clé, c'est d'informer les gens. En fait, au Québec, comme c'était déjà le cas au Canada, la rétribution des courtiers est négociable. Donc, n'hésitez pas, là, quand vous vendrez votre propriété, à demander à ce que ce soit baissé, éventuellement à 4 % à 3 % Ensuite, évidemment, ce qui a été allégué aux États-Unis, et c'est la même situation au Québec, il y a une sorte de monopole. Hein. Au Québec, on utilise le système Centris. Aux États-Unis, c'est MLS. Là, c'est plus ou moins la même chose. Mais donc, les courtiers légitimes, les courtiers certifiés ont le monopole de l'utilisation de cette plateforme-là. On pourrait se demander si, en encourageant des duproprio et des proprio directs, on ne pourrait pas, encore une fois, faire abaisser le coût de transaction dans le cadre des transactions immobilières et s'assurer justement que les prix soient un petit peu plus abordables pour les ménages québécois. Parce qu'on peut penser que les courtiers immobiliers, avec la flambée des prix, là, particulièrement au cours des dernières années depuis la pandémie, les courtiers font beaucoup plus d'argent qu'avant, non? Il y a beaucoup plus de courtiers. Là. Donc, les courtiers vous diront que plusieurs d'entre eux ne font pas d'argent du tout. Mais effectivement, prenez un courtier moyen là, qui est moyennement bon. Depuis 40 ans, il faut le dire, là, la valeur des propriétés a été multipliée à peu près par 10, alors que le salaire médian a été multiplié par 2. Et puis, les outils technologiques n'ont fait que s'améliorer. Donc, essentiellement, pour moins de travail, on peut gagner très, très bien sa vie comme courtier. Et donc, c'est à se demander si ce taux hein, de 4 ou 5 ou 6 % qui est plus ou moins constant depuis 30 ou 40 ans, bien, il ne pourrait pas être appelé à être revu à la baisse un petit peu au Québec pour donner un peu de souffle aux ménages qui ont passé toute leur vie, hein, finalement, à travailler dur pour payer leur hypothèque puis mettre cet argent-là de côté. Mais j'imagine que déjà, avec la flambée des prix, comme je le mentionnais, les gens qui vendent des maisons doivent être plus nombreux à négocier la commission, non? J'ai parlé avec quelques courtiers. D'un côté, oui, c'est vrai. De l'autre, par contre, vous avez de plus en plus de gens qui vendent un peu pressés. Vous pouvez imaginer que dans les circonstances actuelles, avec les taux qui sont un peu plus élevés, ça fait en sorte que des fois, on n'a pas toute la latitude de garder la maison pendant 6 mois, 1 an, 18 mois sur le marché. Donc, inversement, il y a une pression qui fait que pour avoir un bon courtier, on va vouloir payer un 5, un 6 %. Donc, il y a différentes tensions dans le marché qui fait de sorte que la moyenne là, est plutôt autour de 5 %. Il faut savoir qu'au Québec, c'est particulier, mais la commission des courtiers est taxable. Donc, si vous payez 5 %, en fait, vous payez 5,75 %, donc presque 6 % finalement. Ouais. C'est la seule province où c'est comme ça au Canada? Non, c'est le cas un peu partout ailleurs, mais je dis que ça pourrait être une politique publique. Hein? Ouais. J'en appelle à M. Legault, M. Girard, peut-être de détaxer la commission des courtiers, qui sait. Ça donnerait un souffle supplémentaire. En terminant, le prix des moyens des propriétés vendues au Québec, 471 000 $ en février? Ce sont les unifamiliales, hein, donc les condos, là, c'est plutôt dans les 300, je n'ai pas le chiffre exact, mais oui, on s'approche évidemment du 500 000, donc à 4 à 5 %, on parle de rétributions qui peuvent être de 20 à 25 000. Ça me semble personnellement énormément d'argent, là, c'est la moitié du salaire moyen pour une transaction.
Mais après, je ne veux pas dire que les courtiers ne font pas du bon travail. Je pense juste qu'il y a une vraie conversation à y avoir autour de cette norme-là. Oui, il y a certainement beaucoup d'agents d'immeubles qui travaillent très fort, mais il y a d'autres propriétés qui doivent se vendre en un claquement de doigts aussi, là. Surtout comme on a vu la période, là, c'est un peu moins le cas maintenant, mais depuis quelques années, quand on vit des surenchères, finalement, on prend quelques photos, on ouvre le listing, la maison est vendue à 48 heures. Moi, faire 20 000 $ en 48 heures, je ne sais pas pour vous, mais je suis disponible si on m'inquiète, on est intéressé. Monsieur Gosselin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir.